présenter un thème, un sujet et très et spécial. Amen. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Est-ce que vous avez dit amen gloire? Amen, gloire. Est-ce que vous êtes capable de dire amen gloire? Amen gloire. M'espérer présence mon ami ton matin. Il est capable de porter une bénédiction pour vous-même à tous ces gars. Est-ce que vous recevez? Moi, je souhaite présence, mon ami, ton matin, il est capable de porter une bénédiction pour à tous égards. C'est vous bon Dieu que pas dans ton beau à visiter au matin. C'est vous bon Dieu que pas dans ton beau à passer au matin. C'est vous bon Dieu que pas dans ton beau à fond bagaille pour au matin. C'est pour enlever problème au matin. Donc, Nablina, Matthieu chapitre 27e, nous allons considérer quelques versets au travers de ce chapitre. De ce fait, l'assemblée est priée de se lever pour cette lecture. Matthieu chapitre 27, on prend dans verset 27. On va prendre patience aussi. La lecture est un peu longue. On va considérer quelques versets. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Verset 27e à continuer. On a pris pour le nom de Jésus. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappèrent sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et se secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends la croix. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli viendra lui sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Est-ce qu'il y a un bien capable de faire pour nous acclamer? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alors, comparativement avec la lecture qui nous faut faire, dans Matthieu chapitre 27e, du verset 27, nous arrivons net dans verset 54e. Là. Alors, le fait que Jean qui me dit déjà dans l'introduction, hein, nous avons un moment qui est très spécial. Je regarde le fait que nous sommes samedi, là, je regarde hier dans la soirée, c'était vendredi. Je me tape fond par coup. Je regarde moi bon. Passer là, c'est bon. Passer là, c'est bon. À travers la ville là. Bah, nous même si tu as constaté ça. Même si tu as constaté lui. Moi, plusieurs bonnes. Des gens qui nient. Qui a fêté. Qui a fêté dans l'ignorance. Qui a fêté dans l'égarement. Qui a fêté. Yon bagay yon pa comprendre en réalité. Yon tout donné. Yon fêté. Donc, matin. Alléluia. D'une manière historique, nous connaissons qui ça, moment ça, lui représente. Amen. Comment le jeudi, c'est samedi, comment le. Hein? Son bagaille comme ça. Et hier vendredi, comment? Vendredi. Malheureusement, mon pape Kagetan, pour m'ta retracer des choses en ce qui concerne de période ça. Mais matin, n'a parlé de ça même qui c'est la mort de Jésus. Alléluia. Carton rouge de Dieu pour Satan. Amen.
la mort de Jésus, carton rouge de Dieu pour Satan. Alléluia. Qui ça m'a dit? La mort de Jésus, carton rouge de Dieu pour Satan. Est-ce que vous avez dit ça encore côté là? Côté là? Alléluia. La mort de Jésus, carton rouge de Dieu pour Satan. Alléluia. Donc, nous passons savoir que, mes bien-aimés, lorsqu'elle nous dit que la mort de Jésus, carton rouge de Dieu pour Satan, rapide, vite, si y'a une moun là, soit qui footballeur ou bien tout qui est footballeur, même ensemble avec moi. Donc, frère, moi, est-ce que tu comprends ça, me le dit là? Parce que l'on parle de carton rouge. Donc, ou que tu ouais, normalement, football paraît. Amen? Ou est football paraît, ou est-ce que ou est-ce un jeu quelconque? Dépendamment de qui j'ai qu'il y a maintenant chita. Donc dans le football du point de vue footballistique, donc lorsque deux équipes sont entrées en confrontation, mais bien aimé, il y a des principes, il y a des règles arbitre l'an, et bien lui expliquer, il y a des détails, chaque équipe est au courant. Chaque joueur yo, au courant, gen bagay si yo fè, gen carton jaune, gen carton rouge. Donc carton jaune non, c'est le principe qui te gen yo, par contre si vous êtes en virel. Depuis yo bon carton jaune, donc c'est yon, comment on dit ça encore, yo, yon avertissement. Et gon bagay ou fè ou pas de fè, donc yo averti ou pas fè ça encore. Si vous faites ça une deuxième fois, il y a tout le monde encore. Même quoi? Troisième carton, il y a tout le monde dehors. C'est un bagage comme ça. Il y a tout le monde dehors. Alors, je suis profane dans le domaine, non? Bien que nous avons conduit longtemps. Mais c'est quel bagage, il faut comprendre. Lorsque je me dis la mort de Jésus, carton oui de Dieu, pour Satan. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, maintenant, il y a des fautes grossières qu'on fait. Ou pas même arriver dans la dimension carton. Carton jaune, c'est un rouge direct qu'il y a. Alléluia. Il y a pas bon jaune. Dépendamment de gravité faute là. Dépendamment de dimension faute là. Habite là directement. La brale carton. Maintenant, carton rouge. Joue ça. Li exclut dans le match là. C'est-à-dire, yo retire joue ça dans le match là. Même s'il était fort, même s'il était attaquant, même s'il était gardien, même s'il était milieu de terrain et latrier, il n'y a pas de chance. Pour lui continuer match là. Le pire, c'est que même après match ça, bah on si possible changer. Donc, le prochain match, le match à venir, il n'y a pas de possibilité pour jouer match ça, comparativement avec carton. Il prend qui c'est carton rouge là. Alléluia. Il en est de même. Mais bien aimé, la Bible dit, alléluia, dans Genèse, l'homme, amen, prend un gros frappe. L'homme prend un coup mortel. L'homme prend frapper et frappe. L'homme prend parce que dans Genèse, la Bible dit, amen, oui, Dieu crée ciel là, il crée terre, avec toute bagaille là-dedans.
Et là, il finit. Il va faire l'homme. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il va faire l'homme. Oh, moi, mais David, messieurs. David dit, alléluia. Amen, oui, David va faire nous comprendre. Amen, amen. Comme si on monte à être fier. Amen, oui, de ça, bon Dieu, fait nous y est. Parce que David va dire, j'étais lourd, Dieu. Amen, oui, de ce que je suis. Alléluia. Une créature si merveilleuse. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme est un être merveilleux. Alléluia. L'homme est une créature merveilleuse. La preuve en est grande. Quand un homme meurt, il disparaît totalement. Quand un animal meurt, il disparaît totalement. Lorsque l'homme prend le péché, lorsque l'homme prend le désobéir, lorsque l'homme prend le frapper, amen, amen, l'homme démérité, amen, amen, châtiment éternel directement. Vous comprenez, messieurs? Alléluia. Lucifer, il prend le péché. Amen, oui, Dieu prend le pas, prend patience pour lui. Dieu prend la mission soufflette. Il prend fin avec monsieur. Il prend dégrader monsieur. Je ne sais pas si vous lisez bien. Sous Ézéchiel 28, il a expliqué la tombée de Lucifer. L'échec de Lucifer. Mais lorsque l'homme péché, Dieu dit non. Amen. Je ne vais pas perdre l'homme comme ça. Je ne vais pas perdre l'homme à jamais. Amen, amen, amen. Je vais partir à la conquête de l'homme. Et ça fait, amen, oui, gloire à Jésus-Christ, qui est stratégie, qui est décret, amen, amen, alléluia, que ton nom, l'issier, pour le capable, amen, oui, et redresser l'homme, pour le mettre l'homme campé, alléluia, et ça fait, amen, que des prophètes, au travers de la Bible, ils ont parlé de Jésus-Christ, amen, oui, dans un sens voilé, non-sens figuré, non-sens imagé, qui a parlé de la typologie de Christ. Alléluia. Amen, amen. Il a parlé de, alléluia, Adam, le deuxième Adam, comme étant, amen, Jésus-Christ. Il a parlé de, amen, amen, Isaac, comme un type de Jésus-Christ. Et ça que vous avez, alléluia, il y a des prophéties qui abaillent, des personnages, ça, qui c'est Jésus-Christ, dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 15e, Moïse, alléluia, lui, ouais, amène un signal des personnages ça, qui pral bail, ville, la molle, pral bail, Satan, problème, dans Deutéronome, il dit, alléluia, gloire à Jésus-Christ, Dieu va susciter, dans mi-temps, nous, un prophète, dans coup, nous va coûter. Alléluia. Et pas seul Moïse qui parlait. Il y a des prophètes qui parlaient. Tant qu'on est, tant qu'on Miché. Dans Miché chapitre 5, le verset 1er, Miché parlait pour lui. À l'égard de Bethléem. Il dit Bethléem, Ephrata, ou petit c'est vrai. Mais dans mi-temps, si là, qui va venir pour le dominer, c'est dans mi-temps, il va sortir. Comme on a qui croit, dans familier, même s'il pitié, mais on s'y dans l'IA, qui permet de dominer. Mais attendez, assemblée, comme vous qui croyez là, amen. C'est vrai, dans la famille, c'est au pire méprisé, mais on s'y dans l'IA, qui a levé, qui mettre au campé. Parce que, mais ça, David dit, amen. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève le tigeant. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Mais bien aimé, c'est chemin qui a tracé. Michel parlait. Moi-même, je parlais de ça en pile. Je me suis dit, je parlais de Jésus.
Amen. Là, il y a un problème, là, on a dit, la pensée, la prêcher, c'est tête qui la vend. Tu peux faire marketing pour tête ou pas, faire la parole de Dieu. M'apprécier, là, on a parlé. Plus faire paraître la croix. Alléluia. Donc, Michel parlait. Et pas seulement Michel parlait. Il brisait l'autre prophète encore. Qui parlait. Parce qu'on est tant qu'on. Tant qu'on Esaïe le prophète. Son livre m'a mis en ville. Esaïe. La Bible a 66 livres. Esaïe a 66 chapitres. Son livre m'a mis en pile. Ça veut dire qu'on dit qu'on a lycéon. Lycéon, yon petit Bible. Qui en dedans, yon gros Bible. Esaïe. Monsieur parle de Jésus-Christ. Dans Esaïe. Alléluia. Chapitre 7, le verset 14e. Il dit. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera qui ça le nom d'Emmanuel. La parole de Jésus-Christ qui est pour une fête. Alléluia. Dans Esaïe chapitre 9, le verset 5e, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, tu es puissant. Alléluia. Prince de paix, Père éternel. Il parlait encore de Jésus-Christ. Dans l'autre chapitre dans le livre. Par exemple, dans le chapitre 11, le verset 1er, il parle de puis, un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il continue à parler dans pas mal de chapitres dans le livre. Dans le chapitre 22, verset 22, il dit comme ça, alléluia, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Esaïe 35, il parlait en Bible. Esaïe 40, verset 3, il parlait de Jean-Baptiste, qui était pour venir pour préparer la bouche de Jésus-Christ. Jean-Baptiste comme étant le prédécesseur de Christ. Il parlait encore de Jésus-Christ. Mais Esaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il parlait encore. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment de notre paix est tombé sur lui et s'est passé mettre ici. Que nous sommes guéris. Il parlait. Esaïe 61, il parlait Pirate. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Paille, l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, etc. Mais ça qui est important pour nous, matin, l'église, parce que parler de Jésus-Christ, alléluia, parler des personnages, ça, le personnage central de la Bible, alléluia, c'est un personnage qui suscite un pile débat. C'est un personnage. Alléluia. Est-ce que tu as dit Jésus trois fois dans la caille là? Jésus. Effectivement. Allez, pour me parler de la mort de Jésus. T'es con Jésus qui t'es venu vrai. T'es con Jésus qui t'es fait. T'as fait une tape retracée. Quand on paquet de bagages nous a dit là, mais pour moi, aller droit au but, qui est parti, je ne vais pas arrêter de manger. Pourquoi? Les bagages qu'on connaît déjà, comment Jésus-Christ est fait, la naissance de Jésus-Christ, la naissance virginale de Jésus-Christ. Donc, il est passé non avant ton femme, etc. Comment le scénario a été, comment ça a été. Donc, et le ministère de Jésus-Christ, l'elle est venue effectivement, qui ça a été fait, ça a été opéré. Et bien avant Jésus-Christ mourir, qui sacré ses souffrances, Jésus-Christ est souffert. Jésus-Christ est souffert. À Gethsémani, t'as allé en tape chanter quand tu ça, Christ immolé, quand côté Jésus-Christ vivait, l'aller pour la prière, ben elle a tellement terrible.
Et tu qu'on cœur serré. Serré dès qu'on est venu mourir. Mais les livres en face situation. Regarde la terrible. Bon côté Bible a dit. Ça quoi après 100 100 sorti 7 côtés dans Jésus. Premier côté 100 va sorti. C'est lorsque l'ange a dit. Bible a dit souhait a sorti dans le visage li. Tant que ça. Tant que ça. Deuxième côté. Sang pour aller sortir. Alléluia. C'est lorsque. Amen. Yon pral bali. Yon couronne. Depuis yon couronne piquant. Même d'aller que yon exercice pour faire. Pendant que tu es là, tu as réalisé. Yon pour un grand piquant. Et yon frappé à marteau dans la tête pour entrer dans le crâne de tout. Pour comprendre la réalité ça. Pendant que je suis là, pour mettre en face situation, en face situation, pour mettre en face situation. Donc, c'est dans la tête. L'autre côté, sans pour sortir, et dans dol, il va frapper, je dis. Il va battre. Selon. Alléluia. Selon la loi romaine. Selon la loi romaine. Jésus-Christ pourra le prendre n'importe. 39 coups de fouet dans deux. C'est de ça. Il était bien compréhensible. Et ça fait. Je t'ai fait qu'on est que selon la petite histoire. Fred, il y a eu calé Jésus-Christ. C'est ta yon Fred qui a 12 branches là-dedans. C'est ta yon Fred qui a 12 branches. Pourquoi ça? Parce qu'il y a tellement envie de frapper. Yo connaît, yo bagay accès pour plus que 39. Ça fait que pour la parler non décoté, je crois. La parler de 30. La parler de 40 moins 1. La parler des souffrances li en tant qu'apôtre. Donc et puis yo fait me connaître tout, yo met métal nan prend frat yo. Et puis bao 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 juste pour la tête. Donc ça sorti nan doa. Maintenant, nous allons faire exercice encore. Pendant là, mettons campé dans l'espace là. Il y a un monde prend un fret. Il met 12 branches là-dedans. Et il met différents quatre petits métal dans le fret. Et puis il frappe dans le dos. Prêchons mon Jésus seulement. Dans toute intégralité, ça suffit pour nous dire que je prends Jésus ça. Et me vivre fidèle avec Jésus ça. Vous pétez tout donner. Vous pétez tout donner. Donc, c'est troisième côté. Sans sortir. Troisième côté. Quatrième côté. Alléluia. Quatrième côté, nous avons qui est sans sortir. Donc, c'est dans même. Vous percez même. Vous persévérez avec nous, donc sans sortir dans nous. Alléluia. Donc, cinquième côté, nous avons considéré, donc, sans sortir dans pied. Et bien, ça, l'église, vous clouez pied, sans sortir là. Sans sortir là. Sans sortir là. Et sixième côté, boycott. Et ça fait ça, un mystère là-dedans. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça fait l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Encore, elle est la fiancée de Jésus-Christ. Alléluia. Donc,
l'église a c'est dans Jésus qu'il sorti. Il sorti dans le corps de Christ. Tout le temps, Christ est sous croix. L'église a été sous croix tout. Alléluia. Et ça fait Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vu maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. L'autre côté encore sont écoulés. Isaïe explique ça. Je connais Isaïe 50. Il a arraché Babli. Il a décapoté. Il a redit. Sans sortir. Souffrance, Jésus-Christ au théâtre. Il a craché dans le figuier. Il a soufflé. L'humilié. L'humilié. Donc, Jésus-Christ t'a souffert. Maintenant, mais ça qui bien intéressé, c'est en train de bien entrer. Mais ça qui bien intéressé l'église, c'est lorsque tout ça qui a fait là, pour Satan, pour l'ennemi, il connaissait bon le mot sous nous, il connaissait bon le mot sous Jésus-Christ. Et pourtant, ça me s'est fait. C'est une faute grossière qui est liée. Vous allez exclure le match là. Pas bien, pas bien si j'aime non. La mort de Jésus. Carton rouge de Dieu pour Satan. Alléluia. La mort de Jésus. Carton rouge de Dieu pour Satan. Bon Dieu, râlez. Amen, oui, carton. Il dit, mon cher, m'exclou. Ou dehors. Dans la rencontre là. Ou dehors. Je vais vous dire des capitaines. Ça, c'est un fait cadeau. Alléluia. Je vais vous dire qu'on est dans l'équipe Paul. Si c'est vous-même qui êtes chouchou, équipe là. Alléluia. Mais ça là, ou pas qu'à rester dans le match là. Ou pas qu'à continuer. Match là. Mais tout dehors. Tout dehors. Si Satan te connaît, les bénéfices, encore les pactes de la mort de Christ, il t'a vu de créer une stratégie pour Jésus-Christ pas mourir. Il t'a vu de créer tout ça le connaît pour Jésus-Christ. Alléluia, pas mourir. Mais avant d'aller en profondeur, parler de la mort de Jésus-Christ. Pas d'anticiper. Il va me donner tout. Parler de la mort de Jésus-Christ. Gagner sacré les causes de sa mort. Les raisons de sa mort. Si Jésus-Christ mourit l'église là, il n'est pas mourir comme ça, comme ça. Il y a des raisons qui sont valables. Est-ce que le peuple dit, attendez ça que dit? Si Jésus-Christ a vint mourir, il ne va pas mourir comme ça, comme ça. Je vais considérer dans deux angles. N'est-ce qu'il a étudié la Bible? Connais ça toujours. A poussé des réflexions. N'est-ce qu'il lit? N'est-ce qu'il vient avec des raisons qui fait que Jésus-Christ mourit? Que moi-même mourir là. Raison occasionnelle de la mort de Christ. Mais, n'est-ce qui a étudié la Bible, les théologiens, ça fait de ça, raison théologique de la mort de Christ. Mais moi, je l'ai tout. Donc, les raisons occasionnelles de la mort de Jésus-Christ. N'est-ce qu'il dit, mais ça fait Jésus-Christ mourir. Première raison, il prend. Il dit Jésus-Christ. Intervention missionnaire, bah problème dans plusieurs niveaux. Premièrement, il va dire, son intervention est polarisante. Parler de intervention Jésus-Christ polarisante, c'est-à-dire à chaque fois, monsieur prend la parole, la parler, tout le monde comprend,
Mais c'est pour des lumières. Alléluia. Mounio édifié. Mounio édifié, mounio grandi. Au point que plusieurs fois, je dis qu'on finit enseigné, qu'on finit parler. Par exemple, dans Matthieu 7, verset 28, je dis qu'on finit faire une intervention. Foule là, amen. Le texte a dit, la foule fut frappée de sa doctrine. Alléluia. De côté que Jésus-Christ qu'on finit faire intervention. Amen. Oui, Mounio dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Par rapport avec, monsieur, c'est un pédagogue. Est-ce qu'il fait la même? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus trois fois dans le cas là? Chita. Donc intervention yo et pas ti cause non na lègue des scribes là, lègue des pharisiens là, des docteurs de la loi. Mais quand ba kal ba nèg problème ici les vèk nèg là fait intervention le vrai li sou plus moun ça ba problème.